Arrivé à Yamoussoukro, la capitale politique, le Premier ministre Patrick Achi décide d'abord de prendre des forces avant de lancer une journée de travail bien chargée. Accompagné des membres du gouvernement, ils vont se rendre dans un atiekédrome, celui de Tata Touré, situé au quartier d'Ulabougou. Le choix de cette tenancière n'est pas fortuit. Elle est une des bénéficiaires du projet des filos sociaux productifs. C'est d'ailleurs avec les allocations trimestrielles déjà perçues qu'elle a pu lancer cette activité génératrice de revenus. Après le petit déjeuner, la délégation gouvernementale se rend au domicile de Tata pour lui témoigner soutien et encouragement à travers des dons en nature et en vivre. Le courage qu'elle démontre dans son travail a fait que le président a demandé que, en termes de modèle, pour que les autres qui également le reçoivent puissent s'inspirer de ça, de lui remettre ce congélateur. Pour que toutes les autres activités pour lesquelles on a besoin d'une chaîne de froid, on sait qu'elle fait de la glace, elle va certainement faire du poisson, qu'elle va vendre, qu'elle puisse réussir et qu'elle puisse mieux s'occuper de sa famille. Et c'est le souhait qu'on a pour elle, mais également pour tous les ménages de Côte d'Ivoire. Cap sur le quartier 220 logements à la rencontre d'Afoué, autre bénéficiaire des filets sociaux productifs. Dans sa quête d'autonomisation, cette ménagère s'est lancée dans la couture, ce qui n'est pas sans difficulté pour elle. Me donne les habits, je n'arrive pas à faire, parce qu'il y a soleil. Il m'a donné l'argent, j'ai gardé un peu, ça va commencer ça. Mais le service n'est pas encore fini, il reste la terrasse. Mais en même temps, je me débrouille pour ça, pour pouvoir manger avec mes enfants. Au vu des efforts déjà accomplis par Afoué, Patrick Achi lui offre un nouvel équipage de couture bien plus sophistiqué. Mot d'encouragement à l'appui. Avec ça, tu dois aller beaucoup plus vite. C'est ça. Donc, comme tu as bien utilisé les premiers fonds qu'on t'a donné et que tu t'occupes bien de ta famille, tu travailles, tout le monde est content. Le président a dit pour t'encourager de te donner ça et que tu fasses encore mieux. Et que les autres se rendent compte que quand on les aide, s'ils sont courageux, qu'ils travaillent, on va encore les aider. Lancé en 2015, le projet des filets sociaux productifs permet aux ménages défavorisés de percevoir une somme de 36 000 francs CFA par trimestre. Ce sont plus de 69 milliards de francs CFA qui ont été distribués à ce jour à plus de 227 000 ménages bénéficiaires.